Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission préférée du samedi, les rendez-vous du bien-être. Donc dans votre groupe qui a changé de nom tout récemment, qui s'appelle désormais Une Santé d'Avance by Raphaël, conseiller Live Clean, et qui à un moment donné, quand je vais le sentir, s'appellera tout simplement Une Santé d'Avance. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va traiter un thème qui concerne vraiment tout le monde, c'est la santé bucco-dentaire. On va voir plein de choses, vraiment pas mal de choses. Je pensais que le live allait être assez peu riche, et en réalité, j'ai réussi à trouver pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses qui vont être abordées. Je vais vous faire déjà en fait le partage d'écran. Alors, hop là, on va aller chercher le PowerPoint. Alors, là, voilà. OpenOffice. Ben voilà. Hop. Attends, on va mettre ma trogne quand même. On la met en bas comme ça, c'est bien. Allez. Alors, voilà, donc les rendez-vous du bien-être numéro 12 sur le soin bucco-dentaire. Et en fait, vous allez voir qu'on va parler de plein de choses. Donc, on va s'interroger sur pourquoi et donc aussi comment prendre soin de sa dentition, quelle en est vraiment l'importance. On va voir aussi le brossage, parce que depuis tout petit, on nous explique qu'il faut se brosser les dents d'une manière et puis d'une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va voir un peu les méthodes de brossage. On va voir comment vitaliser sa dentition.
On va parler aussi du fluor dans le dentifrice. Ça, je vais vous partager une petite vidéo. Alors, j'aborderai un petit peu le sujet brièvement avant de passer la vidéo. J'en ai trouvé une qui est vraiment vraiment sympa. Elle dure pas trop longtemps. Elle dure combien de temps là? J'ai l'onglet. Elle dure un peu plus de 6 minutes. Donc ça va. C'est pas trop long. Donc voilà, le fluor, ça va être vraiment un sujet très important. Et je parle un peu du nez, hein, c'est bizarre. Et puis on verra après les solutions de la boutique, hein, les produits qu'on peut trouver pour bien prendre soin de sa dentition. Voilà. Alors, justement, on va. Donc voilà pourquoi prendre soin de ses dents et comment. Alors évidemment, quand on parle de dents, on parle aussi des gencives. Vous allez voir que pour le brossage, en fait, c'est vraiment très important. Et on va aussi, donc quand on parle de soins de santé bucco-dentaire, donc c'est les dents, les gencives et l'ensemble de la bouche, le palais, la langue et ainsi de suite. Donc vraiment, tout est important. Alors, il est où mon visuel? Voilà. Alors, pourquoi prendre soin de ses dents? Quelle est l'importance du soin bucco-dentaire? Eh bien, à l'instar du soin des cheveux et du soin de la peau, eh bien, on va commencer par dire que, eh bien, c'est un atout de séduction. Alors, un atout de séduction, bien entendu, affectif, mais ça peut être aussi professionnel. Vous imaginez bien, moi, j'aime beaucoup prendre cet exemple, mais vous imaginez bien que quand vous avez une formation de commercial et que vous vous présentez dans une entreprise pour en devenir le commercial, la présentation est d'une importance capitale. Donc, on avait parlé des cheveux, on a parlé de la peau, mais aussi des dents. Vous imaginez que vous, si un commercial, enfin un prétendant au poste de commercial arrive avec un râtelier absolument abominable, il y a de fortes chances pour qu'il soit pas pris. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc la première importance du soin bucco-dentaire, du soin de la dentition, c'est vraiment le fait que c'est un atout de séduction. Alors, je vais peut-être me dire, parce que là, en fait, on ne voit pas en entier. Alors, comme ça. Bah voilà, c'est pas mal comme ça. On me voit mieux. Puis moi, je me vois mieux aussi. Je suis un petit peu narcissique. Alors, ensuite, eh bien, tout simplement pour prévenir des différentes infections et des différentes douleurs qu'on va avoir au niveau de sa dentition. Vous savez que la douleur la plus atroce pour un humain, c'est lorsque ses dents poussent. Les dents sont vraiment sujettes à beaucoup de douleurs quand on fait des rages de dents, quand on a des caries, hein, bien souvent, et moi c'est le cas, certaines sont dévitalisées. Comme ça, au moins la douleur, il y en a plus, c'est très bien. Mais pour éviter les dévitaliser, pour éviter les caries, et là on va voir aussi ce qui provoque les caries. Je ne sais plus où je vais le caler. Sinon, tu me rappelles, on ne sait jamais. Et les différentes infections. Voilà. Donc les infections qui vont générer des douleurs, bien évidemment, après. Voilà. Ensuite, on va voir aussi le lien avec les muscles et les articulations. Eh bien, je vais simplement, j'ai trouvé un tout petit article, donc de deux femmes, donc qui sont chirurgiens-dentistes à Paris, dans le 16e arrondissement. Je vais juste vous le partager à l'écran. Donc, en fait, je vais couper celui-là. C'est une vraie gymnastique et je vais vous partager ce petit article. Et en fait, moi, je sais ça. En fait, le lien entre la dentition et les articulations, parce que avant de rentrer à l'armée, j'avais fait une préparation militaire et j'avais fait une tendinite à ce moment-là. C'est con parce que c'était à quoi trois jours de sauter en parachute. C'était une prépa, c'était une prépa militaire parachutiste. Et en fait, je m'étais vraqué, je m'étais vraqué. Et puis tendinite. Et en fait,
eh bien, on m'avait expliqué qu'il y avait un lien entre la dentition et l'apparition des tendinites. Alors, je vais vous lire, vous voyez, il est vraiment tout petit. Alors, vous voyez, donc, ce sont deux chirurgiens dentistes, hein, deux femmes de Paris, donc, voilà, qui disent tendinite et parodontite. Vous avez des tendinites rebelles ou à répétition du coude, de l'épaule, du genou ou du tendon d'Achille, surveillez vos gencives et vos dents. Les gencives en mauvais état provoquent un déséquilibre de la flore bactérienne, puis une inflammation du parodonte, c'est-à-dire le tissu du soutien de la dent. Et la parodontite est une maladie inflammatoire d'origine infectieuse qui va induire une réponse immunitaire avec formation d'anticorps. Ces anticorps vont s'attaquer aux tendons et aux articulations. Voilà. Donc après, bon, ça parle aussi du risque cardiovasculaire, mais vous voyez qu'il y a effectivement un lien entre le soin dentaire et les articulations, les tendons. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut bien prendre soin de sa dentition. Donc on va repartir sur les slides. Et voilà. Et ensuite, la digestion, bien évidemment, puisque en fait, dans le processus de digestion, la première étape, c'est bien entendu la mastication. Alors, je vais juste voir. Merci Lily. Alors, j'ai vu parce que en fait, j'ai fait des demandes d'approbation en fait pour les publications sur le groupe et en fait, ça a fait aussi pour les commentaires sur les publications. Je sais pas, faudra que je voie ça, mais normalement j'ai une notif lorsque quelqu'un veut poster un commentaire. Est-ce que je pourrais le faire maintenant? Non. Au pire, pour Lily, tu vois, quand tu as commenté, moi ça m'a mis une notif, et il a fallu que je l'approuve. Donc il va falloir que je modifie ça. Après là, je viens vraiment tout juste de m'en rendre compte. Voilà. Alors la digestion, si on a une bonne dentition, forcément la toute première étape de la digestion va être beaucoup plus efficace et va éviter à votre estomac de trop travailler. Et donc voilà, donc l'importance de prendre soin de ses dents, de sa dentition, c'est bien entendu d'entamer une première étape de la digestion de manière optimale. Voilà. Ensuite, j'avais donc celui-là, l'article, c'est bon. Au pire, ce que je peux faire, c'est vous le partager dans le chat. Normalement, moi, j'ai pas besoin d'approbation, parce que c'est moi. C'est moi l'admin. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver l'article, je vous le publie dans le chat. Voilà. C'est tout bon. Donc, je vais pouvoir, fermer cet onglet, et donc on en était, on va passer au brossage. Alors le brossage, bien évidemment, on nous explique depuis tout petit qu'il faut se brosser les dents, bien sûr, c'est un acte de santé primordial. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on avait commencé par nous dire que le brossage, il faut le faire comme ça, puis après on dit non, il faut le faire comme ça, et puis en fait, bon, en réalité, à partir du moment où le brossage est fait, c'est déjà très bien. On peut se brosser de manière verticale, horizontale, on peut faire des cercles, mais surtout, ce qui va être important, en fait, bon, il y a quand même plusieurs choses qui sont importantes. Il va falloir déjà brosser vraiment le devant des dents. Ça, c'est hyper, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la devanture. Et il va falloir aussi brosser l'arrière des dents. Souvent, on oublie de se brosser l'arrière des dents et c'est là que le tartre, en fait, va se mettre et va s'accumuler si on ne brosse pas derrière. Après, conseil de ma dentiste aussi, et elle m'a montré ses gencives, et effectivement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aussi ne pas oublier de brosser ses gencives. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va les brosser régulièrement, ce qui va se passer, en fait, c'est que la gencive va se mettre à gonfler, et en fait, va obstruer l'interstice qui existe entre la gencive et la dent. Et justement, ça va empêcher aux impuretés de se faufiler dans la dent et de provoquer des caries. Donc, le brossage des dents devant, derrière,
les gencives pour les faire gonfler. Une gencive saine, c'est une gencive qui est légèrement gonflée. Alors, oui, le dentifrice, Lily, ça, on va y revenir et on va voir. On va en parler du dentifrice notamment. Moi, je préconise bien entendu d'utiliser du dentifrice et notamment celui que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on va voir pourquoi il est exceptionnel, pourquoi il est unique. Voilà. Et sur le brossage, alors, on nous a rebattu les oreilles pendant des années et des années qu'il fallait... oui, le bicarbonate, exactement. Qu'il fallait se brosser les dents 3 fois par jour. Alors, donc là, on a vu la méthode. On va voir la fréquence. En réalité, il n'est absolument pas nécessaire de se brosser les dents 3 fois par jour. C'est absolument pas nécessaire. Une fois par jour, c'est largement suffisant à partir du moment où il est efficace et que vous utilisez des produits. Alors, ça peut être du bicarbonate. Certains aussi se brossent les dents avec de la cendre. C'est très, très efficace. Ou du charbon aussi. Et en fait, une fois par jour, c'est vraiment largement suffisant. Ça va faire un ménage, ça va très bien nettoyer, il n'y a absolument aucun souci. Alors pourquoi on nous disait de nous brosser les dents 3 fois par jour? Ben justement parce que il fallait absolument que les gens absorbent du fluor 3 fois par jour. Et donc le fluor, on va voir juste après. Non, ça vient pas tout de suite après, mais ça on va en parler. Et ben c'était tout simplement pour que les gens puissent absorber du fluor 3 fois par jour. Voilà. Mais en réalité, ce n'est absolument pas nécessaire de se brosser les dents 3 fois par jour. Si vous voulez le faire, allez-y, faites-le. Ça pose aucun problème. Mais une fois par jour avec un brossage efficace, on faisait 3 minutes. Alors, faut le faire non plus chrono en main. Je pense que, effectivement, moi, je suis jamais chronométré à me brosser les dents. Mais bon, un brossage vraiment partout, les gencives, un truc efficace, on rince et tout, voilà, ça doit prendre effectivement à peu près 3 minutes. Mais une fois par jour, c'est largement, vraiment largement suffisant. Voilà. Alors, on va passer donc à la slide suivante. Alors, pour prendre soin de ses dents, ça ne passe pas que par le brossage, mais ça va passer également, bah, tout simplement, par l'alimentation. Ça, je vous le dis pratiquement chaque fois. C'est ce fameux adage de Hippocrate qui dit que, eh bien, que votre alimentation soit votre première médecine. C'est vraiment capital. Alors, pour vitaliser sa dentition, pour avoir une dentition saine, il va falloir tabler sur les vitamines, les minéraux, pardon, et également, eh ben oui, il est encore là, sur le collagène. Le collagène, je vous l'ai déjà dit, c'est la protéine la plus présente dans le corps à hauteur de 30%, donc c'est vraiment pas négligeable, et on en a aussi au niveau de la dentition. Voilà. Et je vais vous parler d'un truc, que vous connaissez très certainement. Je pense que vous avez tous vu comment s'appelle le film Pirates des Caraïbes. Il y avait le film Pirates aussi, ça c'était dans les années 80. Il est cultissime ce film. Et on avait souvent l'habitude de représenter les pirates avec des chicots en moins. Et on va dire de manière un petit peu plus large, plus largement, on va dire les marins. Alors pourquoi on les représentait sans les dents? C'était pas du tout un truc folklorique. C'est tout simplement que les marins, les pirates, hein, quand ils partaient en mer, eh bien, ils faisaient des carences. Et des carences en quoi? Des carences en vitamine C. Et en fait, quand on fait des carences en vitamine, enfin une grosse carence en vitamine C, et que les dents se déchaussent, eh ben, ça porte un nom. Cette pathologie a un nom qui est très connu. Ça s'appelle le scorbut. Voilà, pourquoi on représentait les pirates. En fait, c'était pas du tout un truc irréel, c'était pas du tout folklorique. Voilà, c'est parce qu'ils chopaient, ils contractaient le scorbut, en fait, qui est tout simplement une grosse carence en vitamine C, donc d'où l'intérêt d'enrichir son alimentation en vitamines, en beaucoup de vitamines, hein, vitamine D, la vitamine K, mais vraiment la vitamine C, celle-ci, elle va être véritablement très très importante pour vitaliser sa dentition. Voilà. On est déjà à 21 minutes, c'est bien, mais quand je parle, je vais boire un coup. C'est de la limonade Mojito. Je ne bois pas du vrai Mojito, parce que après je vais être bourré
pour le pour le live, ça fait pas très bien. Vous avez mauvais genre. Effectivement, c'est pas très très pro. Donc merci hein, Lily pour les partages. Alors un mélange de bicarbonate avec des ampoules de zinc et extrilexine. Oui, ça c'est le bain de bouche. Alors justement, je vous en présentais un bain de bouche parce que généralement les bains de bouche sont assez agressifs hein, et celui que je vais vous présenter, il est vraiment très très doux et en plus il est très efficace. Il laisse vraiment une bonne haleine. Mais ça, on le verra juste après. Voilà. Alors, eh bien justement, on va passer à notre ami ou notre ennemi, c'est plutôt notre ennemi, le fluor. Voilà, le fluor. Alors, on nous a, pareil, bassiné avec l'importance du fluor dans le dentifrice. On faisait même gober des pastilles de fluor aux enfants. Attention. Alors effectivement, le fluor, dans une certaine proportion et donc dans une limite qu'il ne faut surtout pas dépasser, ça va justement avoir tendance à solidifier, à vitaliser les dents. Le fluor, donc c'est un élément chimique, c'est qui existe dans la nature. Moi, l'eau que j'ai là, donc la celtique, il y en a vraiment un tout petit peu dedans. Mais par contre, lorsqu'on l'absorbe en trop grande quantité, là, ça devient dangereux. Le fluor est une neurotoxine. À savoir que, eh bien, vous savez que, en fait, les nazis, dans les camps de concentration, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils mettaient du fluor dans l'eau. Et en fait, ça jouait sur le système nerveux des prisonniers des camps de concentration. Et en fait, pourquoi ils utilisaient le fluor? Ben, tout simplement pour éviter les émeutes, pour éviter les mutineries. C'était vraiment pour les garder tranquilles. Donc, voilà. Le fluor, à trop forte dose, c'est une neurotoxine. C'est, tu vois, Lily, hein, toi qui es un petit peu militante, voilà. Pourquoi en fait on nous bassine avec le fluor dans le dentifrice, et de se brosser les dents 3 fois par jour avec ça, c'est justement pour maintenir les gens plutôt calmes. Voilà, ça, c'était une méthode. Alors donc bienfait ou danger, il y a des bienfaits, mais vraiment il faut que le fluor soit absorbé en très 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 petite quantité. Moi, ce que j'ai dans mon eau, la celtique, donc c'est une eau alsacienne, c'est largement suffisant. Moi, j'ai absolument aucun problème, mais dans le dentifrice, attention, il ne faut surtout pas l'utiliser. Et justement, eh bien, je vais vous passer cette petite vidéo. J'en ai cherché et le gars, il en parle très très bien. Franchement, il est top, ce garçon. Et vous allez voir, la vidéo dure un tout petit peu plus de 6 minutes. Donc, partager l'audio, très bien. Donc, voilà, je vais... Alors, elle est où ma bobine? Elle est où? Voilà. Alors, je vais vous laisser avec le monsieur, hein, je vous fais lecture, et puis on se dit à dans 6 minutes. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo afin de vous expliquer la différence entre deux formes de fluor, le fluorure de sodium, qui est hydrosoluble, mais qui est aussi neurotoxique, hein, qui permet l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique au niveau du système nerveux central, ce qui va permettre de faire passer de l'aluminium, du fluorure de sodium lui-même, ainsi que plusieurs autres éléments neurotoxiques, et donc ce qui va provoquer par la suite des maladies dégénératives qui sont dues à des neurotoxiques comme l'Alzheimer. Ça a été prouvé par des dizaines et des dizaines de recherches scientifiques que l'aluminium, en passant la barrière hémato-encéphalique, permettait de provoquer par la suite une dégénérescence généralisée du système nerveux, donc provoquer la maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, etc., etc. Donc cette forme de fluorure de sodium qu'on peut trouver dans l'eau, certainement, puisqu'elle est hydrosoluble, et qu'on trouve aussi dans les dentifrices. Maintenant, vous avez l'autre forme de fluor, qui est le fluorophosphate de calcium organique, et cette fois, cette forme de fluor n'est pas du tout hydrosoluble. Donc,
ce qui se trouve dans l'eau ne peut pas être la forme organique qui est métabolisable par le corps et qui est bénéfique pour le corps. Donc, cette forme de fluor organique, vous remarquez qu'elle est liée au phosphore, au calcium, en plus à une certaine chaîne carbonée qui permet de métaboliser ces trois atomes de fluor, de calcium et de phosphate. Donc, dans le corps, le métabolisme du fluor, du calcium et du phosphate sont liés. Et quand on dit phosphate et calcium, on doit dire aussi magnésium, on doit dire aussi vitamine E et vitamine C. Donc, tout ce complexe-là de micronutriments fonctionne ensemble avec le fluor. Donc, c'est pour ça que le fluorophosphate de calcium organique est bénéfique pour le corps et il est fabriqué d'ailleurs par le corps en grande quantité. Et il est fabriqué aussi un peu partout dans la nature, les végétaux, les animaux, etc., etc. On le trouve aussi dans des aliments, dans des fruits, des légumes, mais aussi dans des viandes. Sauf que le problème qui se pose actuellement, c'est que il y a une confusion entre ces deux formes de fluor qui sont tout à fait différentes. Le neurotoxique, qui est le fluorure de sodium, et le fluor organique. Et donc, on assimile très souvent, je ne sais pas, parfois par ignorance, mais parfois exprès, le fluorure de sodium, un neurotoxique majeur, au fluor organique ou fluorophosphate de calcium organique. Et donc, ça ne va pas améliorer les choses. Pourquoi? Parce que ce fluorure de sodium, on dit qu'il existe un seuil de tolérance, donc une dose maximale recommandée qu'il ne faut pas dépasser. Sauf que ça, c'est vrai pour le fluor organique. Le fluorure de sodium, il n'y a pas du tout de dose maximale recommandée. Il ne faut pas en prendre du tout. C'est un métal lourd, hein, qui fait partie de la catégorie des neurotoxiques. Les métaux lourds sont accumulés dans le corps et sont très difficilement éliminés par les organes d'élimination. Et en plus de ça, ce fluorure de sodium, il est non pas seulement neurotoxique, mais il permet d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique, ce qui veut dire que lui, c'est un neurotoxique, mais il va y avoir d'autres toxines et d'autres substances dans l'aluminium, hein, parce que en général, les substances, oui, qui vont véhiculer du fluorure de sodium contiennent aussi de l'aluminium. Donc l'aluminium, c'est aussi un autre neurotoxique. Donc il faut faire la différence entre ces deux molécules qui sont totalement différentes et qui ont des effets totalement différents sur l'organisme. Et je pense qu'il faudra éviter au maximum d'utiliser des dentifrices. Vous pouvez utiliser du bicarbonate qui est d'ailleurs beaucoup plus efficace que le fluorure de sodium et le dentifrice, donc le dentifrice qui contient du fluorure de sodium. Et je pense aussi qu'il faudra réduire la consommation de l'eau de robinet. Il vaut mieux consommer des eaux minérales ou des eaux de source naturelle que l'eau du robinet. Alors, je ne dis pas que toute l'eau est traitée au fluorure de sodium. Il y a beaucoup de pays qui utilisent le fluorure de sodium et l'aluminium pour traiter l'eau. Parce que l'eau, quand elle est polluée avec de la boue, l'aluminium et le fluorure de sodium permettent en général de clarifier l'eau, hein, et donc vous aurez une eau claire, mais vous aurez de l'aluminium et du fluorure de sodium, deux neurotoxiques très virulents. Et donc il faut utiliser l'eau minérale pour boire et il faut utiliser autre chose que le dentifrice. Voilà. Vous pouvez, à la rigueur, utiliser que la brosse à dents sans dentifrice. C'est beaucoup mieux que d'utiliser du dentifrice qui contient du fluorure de sodium.
Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et voilà, alors, hop, me revoilà. Voilà, donc vous avez vu, en fait, donc il faut vraiment éviter les dentifrices avec le fluor parce que c'est vraiment terrible pour la santé. Voilà, alors, on va retourner sur. Voilà. Voilà. Alors, ben, attends, on va faire comme ça. Hop là, ben voilà. Donc voilà, donc là j'en ai terminé hein, pour la partie fluor. Et donc on va ben, tout simplement, ben, finalement, ouais, ben, je pensais qu'il allait durer un petit peu plus longtemps, mais bon, ben voilà. Alors, les solutions de la boutique. Donc là, c'est la toute dernière partie. Du live, donc hop, donc là bah, c'est la partie placement de produits. Bah, vous allez me dire, bah oui, mais comment on trouve le collagène, comment on trouve les vitamines, comment on trouve les minéraux et du dentifrice sans fluor. Pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut. Alors, bah, on va partir sur les vitamines, ce que je vous conseille chez Moder, et en plus au niveau du goût, il est vraiment top, c'est celui-là. Bon, la bouteille, elle est vide, hein, ça fait longtemps, mais j'ai quand même gardé la bouteille. C'est donc l'adulte multivitamine. Tiens, je vais peut-être couper finalement le. Voilà. C'est le. Pas l'adulte multivitamine, ça, je vais en reparler juste après. Donc, c'est le minéral solution. Vous avez le minéral classique, mais le minéral solution, il est vraiment bien plus concentré. Et en plus, au niveau du goût, il est vraiment top. Donc, une bouteille comme ça vous fait un mois, une cuillère à soupe par jour. Et vous allez vraiment augmenter votre. Tiens, il y a un petit cœur sur le. C'est bizarre, j'avais jamais eu ça. Et vous allez augmenter votre taux de minéraux dans votre corps. Et donc, ça va être bénéfique pour tout, bien évidemment, mais y compris pour votre dentition. Donc, celui que je vous conseille, c'est celui-là. C'est le minéral solution. Il est vraiment top. Pour les vitamines. Alors là, j'avais encore la petite boîte de l'adulte multivitamine et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai cherché un peu partout et je l'ai pas retrouvé. Eh ben tant pis. Pour vous le présenter, eh ben c'est pas grave. Hein. J'ai tout prévu. Donc on va, je vais vous partager, eh ben, tout simplement l'onglet de Moder. Donc l'adulte multivitamine, il est là. Donc c'est une boîte de 60 comprimés. Donc c'est pareil, ça va vous durer un mois. Donc là, c'est vraiment un gros boost en vitamines. Et en plus, vous allez trouver dedans de l'iode, du cuivre, du zinc et du sélénium. Celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Si toutefois des gens ont des petits problèmes dentaires, elles sont pas très, très vitalisées. Donc, ce que je vous conseille, bah, c'est bien entendu l'adulte multivitamine que vous voyez ici à l'écran et le minéral solution. Voilà. Alors, tac, pour le collagène. Le collagène, eh ben, il y en a deux. Il y en a deux. Voilà. Donc, moi, celui que j'avais utilisé, ça, c'était vraiment pour les articulations, vraiment pour le sport. Et, il a été vraiment, vraiment top, top, top. Là, j'arrivais à courir plus longtemps, plus vite, sans avoir de douleur. Surtout que ben, là, j'arrive à un âge. Hein. Tiens, quel âge vous me donnez d'ailleurs? Quel âge me donnez-vous? Quel âge me donnez-vous? Donc voilà, donc c'est collagène hydrolysé de type 2 et acide hyaluronique. Mais là, le collagène qui va être aussi très important dans le soin de votre dentition, ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc ça, bon, celui-ci, je voulais quand même présenter parce que celui-là, je l'aime bien. Mais celui que je vais vous conseiller, on va dire pour les dents, ça va être plutôt ça va être la gamme un petit peu en dessous, mais elle est vraiment super efficace. Elodie, elle l'a essayé pour les cheveux, pour la peau, pour tout et les résultats, ils sont vraiment époustouflants. Donc voilà, sinon, voilà, le liquide Biocell Life. Donc l'autre, c'était le sport. Celui-ci, c'est le Life. Il ira vraiment très, très bien si vous voulez enrichir votre métabolisme en collagène. Voilà. Et bien entendu, on va bah, passer tout de suite au fameux dentifrice. Oui. Les caries. Les caries. Ah oui!
Les caries. Oui. Eh ben tiens, bah oui, juste avant de passer au dentifrice, merci Elodie. Les caries. Alors, les caries, on en fait souvent quand on est petit. Alors pourquoi ? Parce que quand on est petit, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à bouffer pas mal de sucreries et pas forcément être très sérieux sur le brossage des dents. Donc effectivement, les sucres qui vont devenir des acides vont attaquer les dents et ça va être vraiment pas bon. Et après, bah, quand on grandit, on a tendance à en faire beaucoup moins. Et en fait, moi, il y a eu une période, c'était il y a combien de temps ? Oh, il y a, je dirais, il y a à peu près 5 ou 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. J'avais une dentition impeccable. Vous savez, je suis un ancien militaire. Et alors, la dentition à l'armée, c'est vraiment un truc primordial. Donc, j'ai toujours une très jolie dentition. J'en prends énormément soin. Et en fait, j'ai eu une période, voilà, il y a 6 ou 7 ans, je faisais carie sur carie. Pourtant, je suis absolument pas une gueule à sucre. Je suis plutôt une gueule à sel. Des sucreries, bon, là, en ce moment, c'est vrai que, bon, on va manger un petit peu. Mais, je suis pas du tout quelqu'un qui bouffe énormément de sucreries. J'en mange même quasiment pas. Et à cette période-là, j'en mangeais absolument pas. Donc, bah, j'allais voir ma dentiste hein, pour qu'elle me soigne ses caries. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Je prends soin de mes dents, je les nettoie bien, il n'y a pas de souci. Je bouffe absolument pas de sucrerie. Et pourtant, là, je fais caries sur caries. Elle m'a dit, eh ben, en fait, elle m'a donné l'explication. Elle m'a dit, bon, ça peut avoir évidemment avec l'alimentation, mais il se trouve que, en fait, dans notre vie, eh bien, notre salive, elle évolue. Et qu'à un moment donné, elle va changer de pH. Et en fait, pour une raison ou pour une autre, hein, ça peut être lié à pas mal de facteurs, eh bien, notre salive va changer un peu de composition, de pH, elle va s'acidifier. Et en fait, c'est tout simplement ma propre salive qui attaquait ma dentition et provoquait des caries. Alors c'était surtout au niveau des molaires, hein, le reste c'était très bien. Et donc bah il a fallu les dévitaliser. Ça a été une période un petit peu compliquée parce que j'y allais limite 2 ou 3 fois par an pour soigner les caries. Donc c'était problématique. En réalité, ça venait tout simplement de la salive. Voilà. Donc autant il y a les impuretés qui vont s'incruster en fait dans l'interstice entre la gencive et la dent, mais ça peut être aussi la salive. Donc, comme je vous l'ai dit, d'où l'importance d'avoir une méthode de brossage très efficace de manière à faire gonfler les gencives et à limiter, voire à empêcher complètement eh bien, les impuretés, les sucreries et aussi la salive de pénétrer dans la dent via l'interstice. Voilà. Voilà, je voulais faire la petite aparté sur les caries. Et donc je vais vous présenter le dentifrice. Voilà, le dentifrice de chez Moder. Pourquoi je vous le conseille ? Celui-ci, je l'utilise vraiment depuis que je suis chez Moder. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dentifrice de chez Moder ne contient pas de fluor, tout simplement. Voilà. Donc, en plus, celui-ci, c'est un gros tube, hein, c'est vraiment un gros tube, il fait 175 grammes. Bon, les prix avaient un tout petit peu augmenté, on va dire qu'il est à 10 euros. Je crois qu'il est à 10 euros le tube, mais c'est un dentifrice que vous allez utiliser en très, très, très petite quantité et il va vous durer super longtemps. Honnêtement, avec une utilisation quotidienne une fois par jour, il peut vous durer 2 ans. Donc c'est ouais. Allez, entre 1 an et demi, allez, on va dire 1 an et demi, c'est vraiment un investissement vraiment un très très bon investissement. C'est clair, sur le moment, on va mettre le prix, mais vous savez, il y a les réductions chez Moder, donc il y a toujours possibilité. Bon, ça c'est le prix que je vous donne, c'est vraiment le prix catalogue sans toutes les réductions possibles et imaginables, mais c'est vraiment un top investissement, ce dentifrice, parce que il est sans fluor et il va vous durer vraiment super super longtemps. Et surtout, il va très très bien convenir aux enfants. Vous savez, les enfants, on va avoir tendance à leur prendre des dentifrices avec des goûts un peu à la fraise, machin, parce que avec le menthol, ils vont dire ah, tiens, pique et tout. Alors celui-ci, il est au menthol,
mais il n'arrache pas la gueule. C'est clair, excusez-moi cette expression un petit peu triviale, mais il n'arrache absolument pas. Le goût du menthol est vraiment très très subtil et il va tout à fait convenir aux enfants. Vraiment, ils s'en plaindront pas de ce dentifrice. Maintenant, si toutefois vous avez des micro-lésions au niveau de la langue, au niveau des joues, au niveau du palais, ça peut éventuellement être un petit peu agressif. Mais pour ça, pour les micro-lésions au niveau du palais, ce que je vous conseille, c'est les bains de bouche avec l'aloe vera que vous trouverez dans la boutique Moder. Tiens, on va aller la chercher. Hop, aloe vera. On va aller le chercher. Ben là, voilà. Hop, allez, je vais vous partager ça. C'est cadeau. Cadeau de la maison. Eh ben, on est déjà à 42 minutes, dis donc. Hein, finalement. Alors, onglet chrome, l'aloe vera. Voilà. Donc ça, c'est une boisson. En plus, elle est vraiment très bonne. Alors, l'aloe vera, cette boisson, elle va être vraiment plus pour apaiser les douleurs stomacales, vraiment les acidités, ceux qui vont avoir vraiment des petits problèmes d'estomac, des brûlures d'estomac. Voilà. Mais celui-ci, en plus, il est indisponible. Tu vois, il a celui-ci, il a un succès phénoménal. Et donc, si vous badigeonnez, comme un bain de bouche en fait avec cette boisson, ça va réparer un peu les micro-lésions que vous allez avoir au niveau buccal. Donc vraiment, celui-ci est top. Et voilà. Mais si toutefois vous n'avez pas de micro-lésions, ça pose absolument aucun problème. Vous pouvez tout à fait utiliser le super dentifrice sans fluor et il conviendra super bien aux enfants. Voilà. Alors je vais voir si j'ai pas d'autres personnes qui. Il va falloir que je trouve le moyen de modifier ça. Alors à moins que hop, je vais carrément actualiser toute la page. On va voir. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui veulent non, parce que hop, j'ai déjà autorisé. Donc, ok. Voilà. Donc, et puis, on va terminer tout simplement sur le bain de bouche. Ça, c'est vraiment le petit complément. Celui-ci, il est vraiment top. Pourquoi? Parce qu'il est tout doux. La plupart des, ça, j'en achetais avant, il y a longtemps, quand j'étais pas chez Moder. J'achetais des bains de bouche parce que ça, c'est toujours bon en fait de se faire un petit bain de bouche de temps en temps, ça rafraîchit aussi un peu l'haleine. Hein, si on va sortir, on a envie de draguer, ou alors on a un rendez-vous, non pas un rendez-vous, un rancard, mais un rendez-vous professionnel. Hein, si c'est toujours agréable pour son interlocuteur lorsque l'haleine est agréable. Et en fait, celui-ci, il est vraiment doux, il n'est pas agressif. Il est vraiment top. Et alors, au début, quand on le fait le bain de bouche, on a l'impression que c'est que de la flotte. Et en fait, c'est en recrachant le bain de bouche que là, on va sentir en fait vraiment le menthol qui va envahir toute la bouche, tout le palais, et vraiment de manière très 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 subtile. Donc celui-ci, je vous le conseille, il est exactement au même prix que le dentifrice. Il va vous durer longtemps. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser chaque jour, mais c'est vraiment un complément de soins, de nettoyage et pour une haleine fraîche. Et vraiment, il est vraiment topissime. Voilà. Alors, ah oui, demande de. Ouais, alors, approuvé, ouais. Ah oui, ouais, là, ça s'affiche là. Il va falloir que je regarde parce que ce que j'ai fait, comme il y avait des éléments extérieurs, et ça, je l'ai vu aussi sur d'autres groupes. Je sais plus c'était lesquels, c'était pas mes groupes à moi, mais il y a des spams, il y a des spammers en fait qui s'amusent à faire des publications d'ordre érotique, pornographique. Et en fait, j'en avais sur le groupe. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une demande d'adhésion pour les publications. Mais le souci, c'est que maintenant, et même pour les commentaires, et ben, il faut l'approbation. Donc, je vais voir. Donc là, c'est ta mère, hein, qui vient de Oui. commenter. Alors, parce que là, ah non, merde. Non. Alors,
Ouais, alors donc elle nous dit j'utilise le dentifrice Moder et le bain de bouche également. Je suis très satisfaite des deux produits, je les conseille vivement. Merci à notre conseiller Raphaël. Merci Annie, merci beaucoup. Bah, à la prochaine session de témoignage, bah, j'espère que tu monteras. Ça sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème, ça sera la gestion du poids et de la silhouette. Là, il va y avoir quand même pas mal de choses à dire. Je pense que c'est un live qui risque de durer un petit peu longtemps. Je vais voir, je l'ai pas encore préparé à proprement parler, mais ça va être le sujet et peut-être que bah, le live suivant, on fera aussi une session de témoignage parce que la dernière fois, parce qu'il y avait le Tour de France qui passait à la planche des belles filles et puis Annie, elle voulait aller voir les belles jambes des cyclistes. Voilà, donc vous avez le témoignage d'Annie, puis bah, attends, on va faire un truc. Alors, affiché. Paf, et voilà. Ouais, ça a bloqué, dis donc. Ça a bloqué sur la page, sur le groupe Facebook. Ah bah ça y est, c'est revenu. Voilà, donc j'utilise le dentifrice Moder et le bain de bouche également. Voilà, très satisfaite et elle me remercie. Et ben, je t'en prie, Annie. Elle pourra donc témoigner non seulement de la qualité et de l'efficacité des produits, mais aussi du savoir-faire et du professionnalisme de Raphaël. Donc moi. Voilà. Donc oui, j'avais oublié de vous partager ça. Je vais vous le mettre dans le chat. Donc un petit article, donc qui concerne en fait vitamines et minéraux donc pour la dentition voilà ça donc Sensodyne Pro Émail alors je me rends parce que c'est le nom d'une marque de dentifrice mais j'ai trouvé l'article plutôt sympathique voilà donc ils vous disent vraiment donc le calcium vitamine D vitamine C ça je vous l'ai dit le phosphore la vitamine A la vitamine K et après vous pouvez tout à fait après aller chercher d'autres articles qui concernent les vitamines et minéraux pour le renforcement eh bien de vos dents. Voilà. Je vais juste, comme à mon habitude, vous faire le petit rappel, parce que bien entendu, vous allez me dire, bah oui, tu nous présentes les vitamines, les minéraux, tu nous présentes le dentifrice et tout, mais comment on fait pour les avoir? Ah, comment on fait pour les avoir? Eh ben, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Eh bien, il suffit d'aller sur le site donc de Moder. Voilà. Hop. Sur le site de Moder, que vous voyez ici donc à l'écran. Voilà, que vous voyez ici à l'écran. Alors, je vais juste enlever le com et hop. Donc, juste le petit rappel hein, pour votre espace client. Donc, vous allez donc sur le site de Moder. Et là, vous allez avoir ici, créer un compte. Et vous allez voir, ça se fait en 5 minutes. Et pourquoi ça fait ça? Ah non, bah c'est bon. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une adresse à moi. Mais voilà, donc vous rentrez. Donc la région est déjà pré-remplie. Votre prénom, votre nom, votre email qui sera votre identifiant. Vous créez votre mot de passe avec certaines conditions. Donc minimum 8 caractères, un chiffre, une lettre majuscule, bidule. Voilà. Votre lieu, bah, en fait, c'est tout simplement bah, le pays. Voilà. Et puis vous cochez oui j'ai 18 ans et puis surtout en bas là vous mettez mon code promo ou celui d'Élodie. Ça, en fait pour moi c'est exactement pareil. Là vous rencontrez vous mettez alors c'est le mien vous allez voir 53 83 ça n'a rien, absolument rien de confidentiel 0,93 je pense que ça devrait voilà, vous voyez, quand vous rentrez mon code promo, la personne qui vous a donné ce code promo est Raphaël Kéméré. Génial. Et en fait, voilà, une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous cochez oui, j'ai lu et j'accepte les conditions, évidemment, et créez un compte. Bon, là, je vais pas créer parce que sinon vous allez en faire un vraiment. Et voilà, et votre compte, vous voyez, en l'espace de 2 minutes, votre compte est créé. Et grâce à ce code promo, en fait, vous allez être rattaché à moi. Donc moi, bah, c'est bien, c'est pour les commissions, mais ça va vous donner également 10 € de réduction sur votre première commande. Et lorsque
vous avez votre compte, vous avez votre propre code promo. Et votre code promo, vous le partagez à vos proches, à vos amis, à votre famille, et vous allez faire ce qu'on appelle tout simplement un parrainage. Et lorsque quelqu'un va créer son compte avec votre code promo, là, comme je l'ai fait, donc là, au lieu de rentrer le mien, ils rentreront le vôtre. Et en fait, à chaque fois qu'un de vos proches aura créé son compte et passé sa première commande, vous allez être crédité de 10 euros de réduction. Et c'est cumulable à l'infini. Si vous avez parrainé 7 personnes et que 7 personnes ont passé leur première commande, vous allez vous retrouver avec 70 euros de réduction, ce qui n'est pas négligeable, ce qui va vous permettre d'avoir accès beaucoup plus facilement à toute la boutique, à la boutique tous nos produits, voilà, par exemple, on va cliquer là. Voilà, et en fonction de tout ce dont vous avez besoin, que ça soit des soins en interne, que ça soit aussi des soins en externe, les crèmes de nuit, les crèmes de jour, les beurres, la BFF, hein. Elle est bien celle-là, hein. Voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Moi j'ai soif. Ouais. À boire un petit coup. Et 52 minutes. Alors, franchement, je pensais pas qu'il allait être aussi long. Voilà. Donc, si vous voulez vous procurer les produits que je vous ai présentés pour prendre soin de vos dents, suffit après de créer votre compte client. Si toutefois vous en rappelez plus, vous pouvez aller voir le live en replay. Et sinon, encore plus simple, vous me contactez directement et je peux même vous le créer. Je peux même vous le créer en direct, hein, on s'appelle sur Messenger, et moi je vous le crée, et puis je vous envoie votre mot de passe provisoire, et après vous pourrez le modifier. Voilà. Pour le paiement, c'est hyper simple, soit vous rentrez vos coordonnées de carte bancaire, soit votre PayPal, si vous avez un PayPal, donc dans l'onglet paiement, dans votre compte, vous avez PayPal, en fait vous rentrez tout simplement votre adresse mail, et paf, ça le reconnaît automatiquement, et puis c'est bon. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y a des publications en attente? Napoléon. On va actualiser pour voir. Il va vraiment falloir que je me penche là-dessus. Non, c'est tout bon, tout bon, tout bon. OK. Voilà. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, pourquoi c'est parti ça? Voilà. Ah oui, merci Fabienne. Et gros bisous à toi aussi. Allez, beau gosse. Quand même. Moi, j'ai pas attaché les cheveux parce qu'on a fait un petit soin, un masque à quoi? À l'huile d'argan. Argan, beurre de karité, huile de coco. Voilà. C'est bête parce que chez Vendeur, ils font pas ce genre de produits pour les cheveux. Tiens, le chien. Le chien qui arrive à la fin de l'émission. Lui, il va très bien. Alors lui, il a la patate. Alors lui, pour les dents, lui, on lui brosse pas les dents. On lui brosse pas les dents. Mais il a une balle Kong, vous savez, c'est une balle Kong assez souple, on va dire, et avec plein de trous dedans. Et en fait, quand il la mâche, ça lui nettoie les dents. Voilà. Donc, voilà. On fait ça pour le toutou, mais je vous assure, il va très très bien. Là, le petit séjour à Pontarlier, ça lui fait vachement de bien. On allait courir pratiquement tous les jours. Non, pardon. Là, on s'est mis vraiment des grosses doses au niveau du sport. Je me suis bien taillé les abdos. Hein, ça a été plutôt bien. J'ai vraiment retrouvé mes capacités que j'avais il y a encore un petit moment, des capacités physiques. Alors surtout entraîner à 1000 mètres d'altitude, c'était franchement vraiment vraiment bien. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à le regarder de nouveau. Et puis, si toutefois vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, vous venez en privé. Et puis, pour toute autre question, c'est pas que sur la dentition, mais comme Fabienne l'a fait, comme d'autres l'ont fait, Fred l'a fait.
Voilà. Donc ils sont venus me voir pour me demander, tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais pour ça, pour tel problème, pour améliorer, pour voilà. Donc je suis là pour ça, bien évidemment, je suis à votre disposition. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en privé, Raphaël Kéméré, et voilà. Quelque chose à ajouter, Elodie, non? Ok, alors bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Donc samedi 21 octobre, donc ça sera le lendemain de mon anniversaire. Et oui, je vais avoir 40 ans, ça y est, je suis à la moitié. La crise de la quarantaine. Donc voilà, 40 ans vendredi prochain. J'ai encore un beau jeune homme, attention. Hein, bon, je le dis à chaque live, ça, je crois. Donc, samedi prochain, samedi 21 octobre, là, ça va être un live assez important sur le surpoids, sur la gestion du poids, la gestion de la silhouette. On va voir tout ce qui... On va déjà regarder ce qu'est le surpoids, l'idée qu'on s'en fait, les différentes campagnes de propagande sur le surpoids, tout ça. C'est vraiment un problème de santé publique majeur, vraiment majeur. Je vous en dis pas plus. Je vais développer ça samedi prochain. C'est vraiment très important. D'accord. Et pour toutes les personnes qui souhaitent affiner leur silhouette, qui souhaitent perdre du poids, eh bien, il y a des solutions qui vont être que je vais exposer. Peut-être si j'arrive à trouver quelqu'un pour le témoignage, donc des produits de la boutique qui sont vraiment ultra efficaces, ça serait bien. Si c'est pas la semaine prochaine, bah ça sera pour une session émission témoignage et voilà. Et puis j'avais eu d'autres idées qui m'ont échappé pour les futurs lives. Si j'ai pas d'idée, bon, on fera une session témoignage. Voilà. Et donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des rendez-vous du bien-être le samedi 21 octobre à 21h. Et puis c'est tout. Et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée. Faites pas trop de folie de vos corps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.